bon, là, on peut changer tout, là. Mais j'ai trouvé devant nos yeux, créer de couleurs et de savoir. Mon nom, c'est Claudine Brouillard, je suis enseignante du cours Projet d'intégration, production-diffusion. C'est le cours final de nos étudiants, donc c'est leur épreuve synthèse programme d'art visuel. Dans le cadre de ce cours-ci, les étudiants ont créé chacun une œuvre dans l'espace de 15 semaines. Donc oui, ils ont une œuvre à créer, mais ils ont aussi un portfolio à faire, une démarche artistique, un texte de projet de création, des esquisses et aussi une maquette de leur travail qu'ils vont exposer à la fin à la Galerie d'art des Jardins. Donc, c'est vraiment 15 semaines à 5 heures par semaine à réfléchir à une œuvre et à produire cette œuvre-là en atelier. On a la chance aussi d'avoir un technicien qui est vraiment là pour nous donner son support là, à l'intérieur des ateliers. On a aussi une aide technicienne qui est présente à chacun des cours pour aider les étudiants à réaliser tous les aspects techniques de leur projet, que ce soit la fabrication de faux cadres, mais aussi de les encadrer quand ils réalisent leur portfolio. Ce qui est vraiment intéressant ici au Cégep de Drummondville, c'est que les étudiants ont créé vraiment une proximité avec eux, ce qui nous permet de développer un accompagnement qui est personnalisé. Donc, c'est comme une petite famille, en fait, le département des arts visuels au Cégep. Donc, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était en début de projet, les étudiants étaient en train de remettre leur portfolio, commençaient tranquillement, venaient de remettre les maquettes, tout ça. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment un cours où là, on est à la semaine 13. Donc, les étudiants travaillent vraiment fort sur leur projet parce qu'ils savent que la remise, l'exposition s'en vient. Donc, on est dans les derniers préparatifs là, pour leur expo. Au cours des dernières semaines, les étudiants sont venus travailler à la fois dans les cours, donc c'est 5 heures de cours par semaine là, en atelier, mais sont aussi venus travailler à l'extérieur des heures du cours. On a fait des échanges de MIO. Il y a vraiment du travail qui se fait à la fois dans la classe et à l'extérieur. Puis les projets, c'est de cette façon-là qu'ils grandissent puis qu'on peut arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Puis c'est certain, là, quand on va se revoir dans quelques semaines là, à l'accrochage, ça va être une toute autre atmosphère, puis vous allez voir, les projets déjà vont changer vraiment beaucoup aussi déjà, là, ils vont évoluer.
En tant qu'enseignante, il y a toujours un certain stress à savoir est-ce que bon, les étudiants vont arriver à temps pour l'exposition, tout ça. Mais il y a un suivi constant qui est fait. Ils ont dû travailler avec un échéancier aussi, qui ont suivi quand même de rapprocher. Ils ont travaillé entre les cours. Donc, ça avance, mais c'est certain que dans les dernières semaines, là, ben, ça va avancer encore plus vite, puis le stress va monter. Mais je vous dirais que de mon côté, je suis assez confiante de comment ça avance, de chacun des projets. Les étudiants sont à leur affaire, puis ils ont un objectif bien en tête, là. Ça, je te disais, papy, il est fatigué, là. Oui. Ah non, c'est vraiment... Fait que, ouais, il y en a un petit peu trop dans les lignes, fait que tu vas peut-être pas te permettre d'en mettre un peu moins. Mais là, si tu veux le corriger, ouais, là, c'est ça. Océane, il a besoin d'un pinceau. J'ai oublié, en plus, ça a tout enlevé. Mais je peux aller t'en chercher un. Thank you.
m'appelle Simon Courchaine, je suis technicien en art visuel au Cégep de Drummondville. Puis, grosso modo, je m'occupe de voir à ce que tout va bien avec les professeurs et les étudiants en art visuel. Aujourd'hui, on est à la Galerie d'art des Jardins, puis on est en train d'accrocher l'expo des finissants de la cohorte 2021. Dans le fond, là, on est sur la finition des accrochages. Il y a encore quelques projets qui n'ont pas été accrochés. On va demain tomber dans la partie de l'éclairage, qui est aussi longue que l'accrochage. Puis après ça, ben, on va pouvoir faire l'évaluation puis ouvrir au public. Un gros challenge de la journée, c'est que la professeure qui s'occupait du cours, elle a eu un empêchement avec la COVID. Fait que là, il a fallu tout remanier la journée d'accrochage pour faire ça seulement avec les aides tech qu'on a, les étudiants qu'on avait sous la main. En plus, on était restreint avec 10 personnes seulement. Normalement, tous les étudiants sont là pour l'accrochage. Fait que c'est sûr que ça condense la journée puis ça fait en sorte que ben, on est un peu plus serré. Mais ça va, j'ai confiance, on va y arriver. Vos enseignants, devant vos collègues aussi, parce que, tu sais, on travaille un petit peu chacun dans notre coin à travers tout ça, là, tu sais, dans des locaux, il y en a qui voient plus ce qui se passe dans certains locaux, mais bon, c'est le fun de voir... Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Simoneau, je suis directrice générale et artistique de la Maison des arts des Jardins de Drummondville. La collaboration existe depuis à peu près une quinzaine d'années ici avec la Galerie d'art des Jardins. Ça veut dire que bon an, mal an, on reçoit à peu près là, 10 à 15 étudiants. Ça veut dire à peu près 200 étudiants quand même de la cohorte en art visuel qui sont venus exposer ici comme finissant là, en art visuel là, au Cégep de Drummondville. Fait que ça fait à peu près ça, 14-15 ans que la collaboration là, se fait entre le Cégep et la Maison des arts. Alors, on est très heureux de ce maillage-là qu'on a pu créer avec, bien, entre autres, avec la professeure et coordonnatrice là, du département là, du Cégep, là, Claudine Brouillard. Et ici, les gens de la Galerie d'art. Alors, c'est une exposition annuelle qu'on fait à chaque année qui se répète et à laquelle on tient beaucoup. C'est important de l'intégrer dans notre... vraiment dans notre portrait d'exposition pour l'année. Et on se fait vraiment un grand plaisir et un grand bonheur à chaque fois d'accueillir là, les étudiants dans le mois de mai là, pour leurs travaux finaux. Et je ne suis pas inquiète dans cette langue-là parce que je suis indirectement composée d'une petite partie de chacun. Je les ai mis à l'écran parce que je fais une analogie entre le père et la femme parce que les deux sont fragiles, sont grandissantes. Dans le fond, je parle du libre droit, dans le fond, du libre choix de faire ce qu'on veut de nous. Fait que j'ai aussi associé, dans le fond, la nudité. Je travaille beaucoup avec ça, la nudité féminine. Thank you.
famille, du temps, de la nostalgie, de l'enfance, que j'ai décidé de, un peu comme plusieurs, fermer la bouche avec ce projet-là. Le titre de mon neuf projet, c'est « Succomber ». Je vais commencer par le poème que j'ai écrit. Je pense à autre chose. Puis, dans le fond, les 12 apôtres ont été remplacés par les personnes qui m'ont aidé à travers tout mon cheminement à l'école et dans ma vie en général. Donc, Mais pour avoir une structure, vraiment, je me suis dit, on va vraiment nous faire quelque chose qui coule. Au final, aussi, on a vraiment cette flaque de couleur, cet amas-là de matière, en fait, et ramener avec mes très chers canards qui partagent leur marque de couleur, en fait, pour ramener cet élément-là. Le canard, c'est un élément que j'utilise. Pour la paire des couleurs, c'est ironique. C'est tout ce qu'on a dedans, c'est juste ironique. Vu que c'est comme, ben, c'est un vomi de couleurs, c'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de vomi ici. Ouais, ça va continuer à dire ça. La première version que j'avais faite de ce vlog comme en dessin, tu sais, par après, vous l'avez sûrement remarqué, que les autres filles là, sont vraiment pas pareilles. Ils ont une évolution un peu plus. Ouais. Puis au début, pour vrai, ça au début, j'avais vraiment fait ça, vu que, tu sais, moi, je suis perfectionniste, puis je veux que tout aille ensemble. Puis, tu sais, quand j'en parlais avec mon monde, c'est surtout Jenny, mettons, à faire des projets. Fait que je me suis dit que pour ce projet-là, j'allais faire quelque chose qui allait me permettre de ne pas avoir un planning précis pour arriver à mon résultat. Je sais que ça faisait partie du cours de se faire un planning et de le suivre du début à la fin. Mais moi, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, quand que je trouve une idée, quand...